je dis bien toutes nos routes, pendant que Kérouané, 35 km à 45 km, vous quittez le matin à 8h, vous ne rentrez qu'à 14h. De 8h à 14h, vous avez 6 heures de parcours sur un tronçon de 35 à 45 km. C'est pour dire que toutes nos routes sont gâtées. Je me nomme Asman Kourouma, ex-proviseur de Banankoro, enseignant à la retraite, ancien conseiller communal de Banankoro. Pont de Banankoro sur le fleuve Baouli. En réalité, c'est pour vous faire la rétrospective de la construction de ce pont, qui en réalité a démarré au mois de mai 2023. Nous sommes à la troisième année, nous abordons la troisième année, ce pont a démarré. Mais jusqu'ici, le pont n'a pas connu un réel progrès en matière de finition. Or, au demeurant, il nous a été rapporté par les ingénieurs en place à l'époque que le pont allait finir dans 12 mois. Donc un délai d'exécution de 12 mois. Nous avons dépassé les 24 mois. Nous allons rentrer bientôt dans la phase de 36 mois. Et ce fleuve est très, 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 très dangereux. Pour la petite histoire, cette année, il y a un jeune homme de 25 à 27 ans qui a perdu sa vie ici. L'enfant d'un certain notable de Banankoro. Il était venu au fleuve pour aider les gens à faire passer les motos. Malheureusement, qui a perdu sa vie. Donc, les gens qui sont venus pour la construction nous ont rassurés et nous ont certifiés avec toute l'assurance à l'appui que le pont allait être disponible pendant un an. Donc, 12 mois d'exécution. Très malheureusement, jusqu'à date, le pont n'est pas fini. On est dans cette impasse. L'autorité communale d'alors a œuvré, a demandé par-ci, par-là. La notabilité s'est impliquée. L'autorité communale en place maintenant, là, y compris M. le sous-préfet, tout le monde a fait de son mieux pour que ce pont soit disponible. Mais très malheureusement, ils ont quitté. Et voilà que c'est la bonne période qui est indiquée pour que les travaux redémarrent. Mais on est au mois de novembre, le 30 novembre aujourd'hui. Nous n'avons vu ni un mécanicien, ni un chauffeur, ni un ingénieur pour dire nous allons redémarrer les travaux. Or, ça relie Banankoro à Kérouané. Ça relie Banankoro à Kérouané. Et le fleuve, quand il y a cru, chaque année, c'est des gens qui perdent la vie. Nous aurions souhaité très respectueusement auprès de M. le Président de la République, le chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour que véritablement nous soyons alors à l'abri de ce fleuve-là. Et nous aurions souhaité très respectueusement auprès de M. le préfet, qui est venu une fois ici. Alors le gouvernement certainement n'est pas venu, mais il y a une mission de contrôle qui quitte Cancan régulièrement, mais jamais le fleuve n'est fini. Donc au nom de la notabilité de Banankoro, le Sotikemo Mamadi Diawara, et le Sotikemo de Fodissé à El Hadj Koutou Diawara, M. le maire actuel, M. Bangali Kaba et son équipe, le sous-préfet, le colonel, alors Moussa Diakité, je veux dire, pour que notre pont-là finisse maintenant, parce que c'est sur une longueur de près de 100 mètres. Si les travaux ne commencent pas tôt, ça va nous mettre dans les erreurs encore. Or, nous voudrions éviter ça. Nous sommes ici, on a même voulu que les gens du CNT qui étaient venus, le passage du ministre, le ministre chef de cabinet, non, le ministre secrétaire général de la présidence vient à Banankoro voir ce fleuve, mais malheureusement, c'est limité à Kérouané. Nous profitons de votre micro pour que nous soyons satisfaits que la communauté de Banankoro, parce que Sidibaro est derrière ici, Soromaya est derrière, tous ces coins-là, toutes ces sous-préfectures-là passent par Banankoro par ce pont. Combien de villages sont reliés alors à Banankoro par ce pont? C'est vraiment des trentaines, quarantaines de villages, par à gauche comme à droite. Donc notre souhait était que le fleuve-là soit vraiment couvert cette année, que le pont soit là, fonctionnel. C'est ce que nous sollicitons auprès de M. le Président de la République, le chef suprême des armées, le commandant en chef des forces armées, le père de la nation guinéenne. Parce qu'il est en train de travailler, il se bat pour la population guinéenne.
courant, le problème. Mais nous sommes rassurés qu'il n'est pas au courant de ce fleuve. Et c'est là au courant qu'il se lève maintenant très tôt. On est au mois de novembre, novembre-décembre, pour que les travaux reprennent très rapidement, afin que le plan finisse. Merci beaucoup. Demandez pourquoi on est là, on est venu pour voir là la réalité de ce pont. Le pont est réellement en retard, très réellement en retard. On nous a dit 12 mois. Voilà que 24 mois sont passés. Nous allons atteindre les tracés. Une activité qui va se l'état de dégradation est considérable. Quitter ici, on a de l'Alliance. Alors, sur un tronçon de 100 et quelques kilomètres, vous avez deux jours. Et ça, c'est pendant la période sans pluie. Donc, la période de sans hivernage. Panakoro Massanta, c'est un autre calvaire. Quand les véhicules quittent le matin, sur une longueur, un trajet de 115 à 120 km, vous avez du matin au soir, jusqu'à tard la nuit, vous rentrez. Donc toutes les routes sont dégradées. Aucune route n'est bien. Toutes nos routes, Panakoro Kirwané, 35 km à 45 km, vous quittez le matin à 8h, vous ne rentrez qu'à 14h. De 8h à 14h, vous avez 6 heures de parcours sur un tronçon de 35 à 45 km. C'est pour dire que toutes nos routes sont gâtées.